Donc dans cet épisode, on va accueillir les détenus orange, les détenus normales dangerosité, on va dire. C'est des personnes qui sont un peu plus dans le game que les prisonniers de droit commun, les petits prisonniers de rien du tout. Donc allez, on va avancer jusqu'à les accueillir. Donc là, on va en accueillir 40 d'un coup. J'ai mis donc le hop disponible. Donc là, c'est 500 de paiement par prisonnier. Là, en l'occurrence, on va en accueillir 40, donc ça va faire 20 000. Faire un duquet en dessous. Donc c'est plutôt pas mal. 40 prisonniers d'un coup, ça va faire un sacré changement. Hein. C'est le double de la prison d'un coup. Est-ce que les gardiens vont être dépassés? On va avoir la réponse prochainement. J'espère que tout est bien mis. Hop d'ailleurs. Hop, on va faire leur régime au passage. Douche pareil en même temps. D'ailleurs, putain, merde. J'avais pas vu, mais. Mettre un pommeau de douche juste au-dessus de... juste au-dessus du lit, énorme. Voilà, j'avais oublié ça. Est-ce que c'est relié avec les trucs? Oui, c'est relié, donc c'est parfait. J'avais oublié ça en fait. Sinon, ils allaient pas avoir de douche. Incroyable. La cour, on va pas la mettre au moment quand même. On va la mettre. Non mais. Pourquoi tu. Non mais. Mais. Why? Parce que j'en ai pas encore en prison en fait, ça doit être pour ça que je peux pas faire différencier les deux. On va les recevoir, hein, soon, dans 30 minutes. On va en mettre en avance rapide. Hop, et voilà, ils sont là. Donc là, 20 000 d'un coup, donc en termes de thunes, on arrive bien. Hop, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts, cinq quarts. Voilà, donc 5 quarts, putain les donc. Ça va faire un nombre de prisons. Alors là, les gardiens ils vont être dépassés en termes de. Trucs, ça va être insane. Est-ce que c'est bon là, je peux changer ou pas? Non? Toujours pareil? Pourquoi je... Putain, attends, c'est pas un truc que je dois débloquer quand même, si. Non, on va faire la recherche pour ça. Pour ça et ça aussi. Hop. Vous savez quoi, on va mettre deux gardiens supplémentaires. Les maîtres chiens, on va doubler aussi. On va en mettre plus. Il y a une patrouille ici, une patrouille là, une patrouille là. Ah bah c'est déjà bien ce qu'on a fait en fait. On en a rajouté deux comme ça permet qu'il y ait un roulement en fait et qu'il n'y ait jamais une ronde sans. C'est cool. Donc là actuellement il y a 38 gardiens pour 80 détenus. 78 pour être exact parce qu'il y en a deux détenus minimales qui se sont dégagés, qui sont partis. Là il y a les mecs sérieux là. Lui il fait partie d'un gang lui, hein. Ça c'est spot. Les gars qui sont tatoués généralement ils font partie des gangs. C'est comme ça dans le jeu. Donc là on va voir par exemple. Hop voilà. Ouh putain dis donc. Donc là on a deux détenus d'un gang vert et deux détenus d'un gang rouge. Dont un détenu du gang vert qui est le chef d'ailleurs du gang vert si je ne me trompe pas. Biographie. Voie de fait contre agent de la paix, 4 ans il a. Parler de lui là.
mortel. Ce prisonnier est un maître en attaque mortelle et peut parfois tuer une cible en un seul coup. Wow. Oh damn. En haut, il a attaqué un officier de police, pour ceux qui l'ont vu. Mais attends, c'est lui qui est en... Mais c'est pas lui, c'est lui qui est en truc. Pourquoi il m'a montré lui? Gang. Oui, c'est lui là. Évaluation. Probabilité de récidive 97%. Ok, ça nous montre un peu le personnage. Programme de réhabilitation, ok. Donc 4 ans, il va purger. Ok, on va en arriver. Réputation, il en a pas parce qu'on le connaît pas encore. Agression, chantage, torture. Ça montre un peu le personnage, hein. Ça montre un peu le personnage. Ah, j'ai envie de commencer à agrandir la prison en fait. Vous savez quoi, ça va dégager. Un couteau, d'accord, ok. Ils sont où là? Ah, ils sont tous dans la... Dans un truc, ok. T'as des gardiens sur la ramasse là. Je vais en mettre deux plus là parce que... Ah, donc là on a un ratio de 1 gardien pour 2 détenus. On va rajouter des personnes pour nettoyer, histoire que la prison soit vraiment clean. Parce que là on voit, on commence à avoir des taches et tout un peu partout. 2 gardiens, je pense que ce sera pas trop. Est-ce que je peux différencier les trucs là maintenant ou toujours pas? Non, toujours pas, ok, d'accord. Je peux pas faire deux trucs différents. Deux trucs différents, pardon. Pourquoi? Just why? Ouais, je sais pas. On va fermer, hein, tout de suite. Pour manger 40 prisonniers de plus 2 secondes après si on n'a pas la place. Bon, on va avancer hein. Ça commence déjà? Déjà baston? Ça y est, ça arrive, c'est parti. Pas en cacahuète direct. Genre vraiment là? Oh là là. Ok, là ça pue, on va mettre des mecs de partout. Allez, c'est parti, mon kéké. Putain, vas-y, ça commence déjà. Ça a même pas. À peine mis dans la prison, mon gars, c'est déjà parti en baston général. C'est déjà parti en cacahuète. Pourquoi? C'est pas connecté ici? Ah mais non, ici c'est l'autre salle qui la dirige. Je l'ai pas connecté. Ah oui, je les ai pas connectés celui-là. Ah, c'est le seul que j'ai oublié. Ah oui, c'est en moi, je l'ai rajouté récemment. Enfin, je l'ai rajouté, j'avais oublié. Effectivement. Bon. Il me faut des espions. Informateur, qui c'est qui est chaud pour devenir informateur? Personne? Ah, oh, qu'est-ce que... Une affaire de gang très médiatisée a impliqué l'un de nos prisonniers de sécurité minimum. Comme un chef de gang de Oran, il avait réussi à rester incognito jusqu'ici, mais aujourd'hui tout le monde sait qui il est. D'accord. C'est qui? C'est lui là, non? C'est pas lui? Si, c'est lui, hein. Ouais, d'accord. Il m'avertit, quoi, en fait. Il m'avertit qu'il y a un chef de gang. Hop. Ah, d'accord, ok, intéressant. Pas mal la photo. En gros, ça doit être lui, c'est ça. Maintenant, on sait que c'est un.
Niveau réputation. Ah non, toujours pas. Toujours pas, mais à mon avis, ça doit être lui. Ou alors c'est lui. Non, bah non. Non, ça doit être lui. Hein. Bon. On va avancer. Là, vous êtes enfermé là, il y en a pas un qui veut. Ah lui là, informateur secret potentiel. Allez hop, recruté en tant qu'informateur. Attaque de détenus et de personnel lié, ben dis donc. Ah mais attends, t'as pris 10 ans toi. 6 ans pour avoir attaqué un gardien de la paix et agression. Putain, il est long, mon gars. Et t'arrives en truc et hop, tu prends ça, tomate-oignon. Ça fait 9 heures que t'es en prison, t'as déjà attaqué un détenu et un gardien. T'es beau toi. Lui c'est une balance. Grâce à lui on a déjà quelques... Attends, ils sont affichés sinon? Non ils sont pas affichés hein. Et ouais putain, légendaire, what the fuck. Ah c'est lui, ah, le mec incognito, chef de gang, c'est lui. Extrêmement fort, extrêmement récent, extrêmement instable, stoïque. Impavide, j'ai idée de ce que ça veut dire. Très habile, bagarreur. Ah là 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 là, conduite dangereuse, je pars dur, conduite dangereuse. Conduite dangereuse, 29 ans de prison. Nom de Dieu. Mais qui est cet homme? Chance de récidive, 97%. C'est pas vrai. Mais qui est ce mec? 3 jours qu'il est en prison, possession d'armes, vol de médicaments. Verrouillage, régime, ok. Humeur normale, bonne, ok. Conditions, il est maté. Sûreté, sécurité atelier, chance de réussite, ok, d'accord. Pourquoi pas, il suit un processus. Écoutez, si il reste dans les clous et qu'il ne fout pas la merde, moi je vois pas de problème, quoi. Mais bon, le mec a l'air quand même d'être assez... Il y a écrit quand même, hein. Extrêmement instable. Moi je vais pas foutre la merde, mais bon. Ah, 4 membres de gang maintenant. Ah, il est en train d'en convertir. Ah, bah, vu qu'il y a un chef de gang, il doit être en train de convertir d'autres prisonniers en fait. C'est ça le truc. Et progressivement, il va y avoir un truc de gang. C'est pour ça qu'il faut l'isoler. Le problème, c'est qu'actuellement, j'ai pas d'endroit pour l'isoler en fait. J'ai pas d'endroit où l'isoler. Et c'est un peu chiant. Parce qu'à cette allure, attends, le mec, ça fait à peine début de journée qu'il est dans la prison. Le gars a déjà converti 2 détenus. Si ça continue, d'ici 2 jours, il va y avoir une armée dans le bloc, B, comme on va l'appeler. Et ça va partir en bataille de gang. Bon, là, on va surveiller. C'est le repas. On va avancer un peu. On va surveiller. Parce que là, c'est potentiellement là où ça peut partir en cacahuète. Surtout que j'ai que 2 gardiens à l'intérieur. Un là et un là. Ensuite, j'ai un gardien ici et un autre gardien là. Qui peuvent arriver vite, mais 4 contre 80, c'est... 78. Le rapport de force est assez défavorable. Hop, voilà, ils ont terminé de manger, tout s'est bien passé. Chacun va dans son truc. C'est bien qui finit bien, hop, on passe et on va fouiller. On fouille le bloc et on fouille le bloc. Ouais, je suis un mec comme ça moi. Mettre un mec en permanence ici.
Oh là 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 là, il y en a un qui a déjà essayé de se faire la malle. Allez, moyen de sécurité, toi tu dégages. Ah mais il n'y a plus de place. Dommage. On va le mettre en... On peut pas le mettre définitif. De toute façon, il va se manger 48 heures. Ah le bâtard. Il a essayé de se barrer. Première tentative d'évasion, voilà ça. Eh, première tentative d'évasion, hein. Rien trouvé ici. Toi, t'avais un truc, toi. Vol de médicaments, ok. Parce qu'à part ça, il trouve pas grand chose. J'ai envie d'augmenter un peu la taille des trucs. Ça, on va l'augmenter un peu. On va peut-être même augmenter le bloc B en fait, niveau taille. Ouais, c'est quoi, on va l'augmenter un peu. On va augmenter un peu le bloc B et un peu la le truc de fabrication là. Et on va commencer à construire aussi. Je sais pas ce qu'on va commencer à construire. On n'a pas suffisamment de thunes, on va économiser. Voilà, on va avancer. Bon bah la fouille est finie visiblement, c'est cool. Voilà, parfait, hop. On va vite fermer là. Non, d'ailleurs je fais de la merde. On ferme là. Et là. Et ici. Ouais, donc là on va pouvoir faire une cellule de plus. D'ailleurs attendez, est-ce qu'on ferait pas des cellules assez luxueuses pour les détenus qui se comportent bien? Allez, on va faire ça. On va faire ça, des cellules luxueuses pour les personnes qui se comportent correctement. Démonter et autres. Là aussi, démonter. Allez, c'est parti. Bon, bah sur ce, c'est tout pour ce... Hop, on va passer. C'est tout pour ce troisième épisode. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour le quatrième. À la plus.